Je m'appelle François et je suis blockchain développeur à Exec. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je travaille dans la blockchain. Et donc, j'ai acquis une expertise dans le développement dans la blockchain et notamment des smart contracts. Donc, c'est dans ce cadre-là où je serais content d'apporter cette expertise lors du prochain atelier. Dans ce deuxième atelier, l'idée, c'est vraiment de découvrir les composants de base d'une blockchain. Et pour ça, on va pouvoir découvrir ces composants et aussi les voir en direct, comment ça marche, et pouvoir s'apprivoiser l'utilisation de la blockchain. Donc concrètement, on va par exemple installer une wallet qui va permettre à un utilisateur de pouvoir interagir avec cette blockchain. Donc lors de cet atelier, il y aura à la fois une présentation théorique des différents composants, mais tout de suite une application pratique et voir concrètement à quoi ça ressemble. Et donc ça, ce sera pour la première phase du workshop. Et dans la deuxième phase, on verra avec tous ces éléments de base, maintenant, qu'est-ce qu'on peut construire? Et ça, pour amener du coup la préparation du hackathon. Pour moi, cet atelier, c'est pas un atelier technique, c'est vraiment avoir une vision globale de la blockchain. En fait, ça peut et ça va impacter à la fois des éléments économiques, des éléments sociétaux, et c'est pas uniquement de la technique. C'est une façon de pouvoir s'organiser de manière collective. Donc on va voir que ça peut être utilisé pour la transfert de valeur, transfert d'argent qu'on voit souvent, mais aussi ça peut être utilisé pour pouvoir s'organiser de manière collective avec des organisations décentralisées, ou bien aussi tout ce qui est système de vote. Donc ça peut impacter un plus large champ dans nos sociétés que uniquement un aspect purement technique.